ontarien Troy Ross qui s'amène son dernier combat contre Michael Sims. C'était le 19 juin, victoire unanime. Oui, c'est ça, c'était au Centre Bell. Il avait remporté le championnat du Commonwealth à Montréal le 19 mars 2007, victoire par knockout au deuxième contre John Keaton. Donc ça se passe bien à Montréal pour l'ami Troy Ross, Bernard. Ross, 34 ans, bonhomme de 5 pieds 11 pouces et demi. Il affiche un poids de 193 livres, mais qui a une plus longue portée que son adversaire, Agui Bolduc. Ce combat est prévu pour 8 rounds dans la catégorie des lourds légers. Les juges pour ce combat, Jean Lapointe, Sylvain Leblanc et Benoît Roussel. L'arbitre pour ce combat, M. Jerry Bolin. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte bleue et rouge et pesant 198,7 livres. Avec une fiche de 21 victoires, 15 par KO en 32 combats. De Sao Paulo au Brésil, Daniel Bispo. Et maintenant dans le coin rouge, portant la culotte rouge argentée et pesant 192,1 livres. En 23 combats, il a inscrit 22 victoires, dont 15 par KO. Il est le champion de la série de Contender 2009, champion du Commonwealth en 2007-2008, champion canadien en 2005-2006. Il est de Toronto, en Ontario, Troy Ross! Gentlemen, you got your instructions in the dressing room. You make your lands at all time. You protect yourself all time. Touch up. Good luck. Alors voilà, c'est Jerry Bolin qui sera l'arbitre dans ce combat. On voit l'affiche des deux boxeurs. Un bel avantage au niveau de la portée de 2 pouces pour Troy Ross. Ça fait une différence. C'est toujours bon, ça. Tu l'as bien dit, ça peut faire une grande différence. Eh bien, c'est parti. Premier round de 8 prévu dans ce combat chez les lourds légers. Troy Ross, rouge. Fait partie d'une famille de boxeurs. Son père a déjà représenté la Guyane aux Jeux olympiques. Et son cousin, Egerton Marcus, avait gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Séoul pour le Canada. Donc, la boxe fait partie de la famille depuis plusieurs générations. Bispo qui s'est placé gaucher. Donc là, on y va gaucher contre gaucher. Ouais. Bispo est habituellement boxe de droitier. Donc, on va voir est-ce que c'est une stratégie où il va demeurer gaucher tout le long. Là, c'est à suivre. On va voir s'il fera le changement un peu plus tard dans ce combat. Pour l'instant, ben, on y va de quelques échanges. Rien de très sérieux pour le moment. Première main arrière, la gauche qui est sortie pour Ross. On va au corps. Elle est sortie de la part de Ross. Qui avec une seule main. Ah! On se fait un coup directement à Bispo là-dessus. C'est à suivre, Bispo, on a mal vu, ça va prendre la reprise. C'est au tapis, c'est long, il ne démontre pas de volonté de se relever. Et c'est terminé. Coup de théâtre ici, personne n'attendait un tel dénouement et j'ai hâte de voir la reprise. Il y a plusieurs coups qui ont été portés par Ross avec la main droite, alors que Bispo retenait la gauche. Et de là à voir qu'un coup aurait pu l'étourdir. Bispo qui avait été passé encore seulement 4 fois sur ses 11 défaites, donc en plus de 30 combats. Et là, c'est toute surprise que ça se termine rapidement comme ça. J'ai vraiment hâte de revoir comment ça s'est passé. C'est sûr que Ross est un peu déçu. Bon, content de gagner maintenant ce combat, mais je pense qu'il aurait souhaité y aller pour quelques rounds de boxe ce soir ici. Ça a été tellement cool. Good. J'ai l'impression que Bispo a de la misère à respirer un petit peu ou je sais pas. Hein? Tu sais, hein, Benoît, on est chez les lourds légers. Hein, chez les lourds légers, avec la limite à 200 livres, c'est avec un transfert de poids, ça fait mal. Mais on va voir la reprise. Je suis impatient de revoir tout ça. Je regarde le faciès de Troy Ross lui-même, on a l'air un peu surpris. Oui, de... c'est ça. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été court comme soirée de travail. Mais pour lui, c'est un laissé-passer pour Alors, regardez bien la main gauche qui va être retenue.
En fait, c'est la droite et c'est avec la gauche qu'il frappe. Au coude. Ah! A été frappé au foie, ouais. Sous le coude. Au foie était placé gaucher, donc le foie est en avant à ce moment-là. Il a été frappé sous le coude au foie. Il lui a coupé les jambes. Donc, la machine était hors service. On s'entend que c'est un coup qui fait souvent des ravages. Regardez bien ici qu'il va... La main gauche va passer sous le coude et... Ah, c'est ça. Donc, on vient de comprendre maintenant. Et Dieu sait qu'on en a vu des boxeurs tomber avec ce genre de coup-là. Rappelez-vous, la semaine dernière, Lucien Bouté qui a frappé Libardo Andrade à pareil coup. Donc, le coup parfait. Et ça n'a pas été payant pour Bispo de se placer gaucher. Ben, ça a laissé des traces et il semble encore souffrir. Allons maintenant à la décision, Iggy Bolduc. Le gagnant de ce combat à 1 minute 12 secondes de ce premier round, par KO, Troy Ross. Ben voilà, c'est confirmé, victoire de Troy Ross, une 23e en carrière, 16 KO maintenant. Et celui-là, ben, comme je le disais tantôt, j'ai l'impression que Ross aurait aimé boxer un peu plus tard ce soir. Oui, et là, il va aller en combat éliminatoire IBF avec une possibilité éventuelle d'aller chercher le championnat du monde, puisque le titre est vacant chez l'IBF. Alors, on va s'arrêter quelques instants au Ferrer et Troy Ross va nous faire le plaisir de venir nous jaser un petit peu. Il viendra nous voir un peu et nous expliquer un peu comment il a vécu son court combat ici ce soir en direct du cabaret du Casino de Montréal. Party time! Le show du temps des fêtes au cabaret du Casino de Montréal. 13 artistes sur scène pour une soirée éclatante. Réservez vite vos places au 514-790-1245 ou sur admission.com. Fun, danse, entertainment, party time au cabaret du Casino dès le 19 novembre. C'est strange, bien épaisse et croustillante de bacon fumé au bois de pommier. Nouveau sur le Baconator de Wendy's. Laissez-vous séduire aujourd'hui. C'est carrément bon. C'est Wendy's. Vous savez, les soirées. Ces soirées incroyables, uniques, qui vous donnent la chance de dire « J'étais là ». Alors, nous sommes de retour en direct du cabaret du Casino avec Troy Ross. Bernard qui vient de gagner son combat. Troy, first of all, congratulations on that one. And thank you. Let's be honest, that was pretty fast. It was. I was, you know, 8 rounds. That's what I trained for, and that's what I expect. Every time I go into the ring, I expect to do the full 8 rounds, 10 rounds, 12 rounds, whatever it is. But sometimes my fights end a little early. I got power in both hands, and you just got don't blink. Yeah, winning is cool, but that one is like that was really, really, really fast, that one. Yes, it was. Right. Congratulations, Troy. What's the next for you? You have opportunity to win a world title because the IBF, nobody is a world champ at the IBF now. Yes, I'm looking forward to it. I'm ready to step up my game. Anytime, I'm here. I'm here and I'm ready. I'm training hard. So I'm definitely ready to step up my game for the IBF title. Let's go and watch the replay of that fight tonight. The left hook did the damage over there. You did... Now, this is the footage right now. Can you comment on that one? There you go. So the left hook touched him there. Yes. He was holding onto my right, so the only way I knew how to do it was left his body open, so I went straight to it. I'm sure you love boxing in Montreal now because you have, like, many victories here now. Yes. Montreal is like my hometown. I don't feel like I left home when I come over here to fight because I fought here so many times, and... The people, the fans, they really embrace me when I'm here. Yeah. Because I've won 3 titles here so far, so it's been great.